Les journées de Carole sont bien remplies. Une fois son travail de buraliste terminé, elle peut se rendre chez son premier client. Mais attention, il ne s'agit pas du jeune homme qui l'accueille, mais bien de Scooby, son cochon. Au programme, une heure de pédicure. Pour cela, il faut un peu de poigne et beaucoup de patience. On taille les sabots des cochons. Bah parce qu'au bout d'un moment, ça pousse tellement que le cochon devient handicapé. On lui refait bien les aplombs et on leur coupe aussi les défenses parce qu'au bout d'un moment, quand ça pousse trop, ça leur rentre dans la joue. Et le succès est au rendez-vous. En quelques mois, la pédicure a déjà pomponné plus de 200 clients. Car plus qu'un souci d'esthétique, son objectif est de soulager les animaux. Et je pense qu'il était gêné. Voilà, quoi. Bah, c'est comme si on avait nous aussi un caillou dans la chaussure. Là, on ne court plus, quoi. Après quelques opérations quasi chirurgicales, Scooby peut reprendre son quotidien. Prochaine étape pour Carole, se consacrer exclusivement à cette activité et qui sait peut-être proposer ses services à d'autres animaux.